fratello, penchons-nous sur nos reins. Des courage, poussons au vent, maintenant, trois au vent. Et ne craignons pas le vague sans furie. Notre pilote est là pour guider notre fort. Bientôt nous foulerons les soldats. Point de peur avec nous et les maîtres du monde. Poussons au vent, matelons, toits au vent. Ne craignons pas les vagues en furie. Notre pilote est là pour guider notre fort. Bientôt nous foulerons les sommets la patrie. Mais voici du matin les lèvres radieux, les ombres de la nuit s'effacent dans les yeux. Danger est passé, notre course est finie. Gloire et louange soit à Dieu qui l'a béni. Poussons au vent, matelons, toits au vent. Ne craignons pas le vague sans furie. Notre pilote est là pour fort. Bientôt nous foulerons les soldats la patrie. Et Dieu notre roi, merci encore une fois aujourd'hui pour ton saint sabbat. Merci éternel Dieu pour la vie que tu nous accordes. Pardonne nos offenses, lave-nous par ton sang. Baptise-nous encore une fois de ton Saint-Esprit. Nous voulons, ô Dieu, t'entendre parler. Parle-nous, éternel Dieu. Nous laissons également l'instrument que tu t'es choisi, ô éternel Dieu, ce matin. Accepte que tu l'utilises puissamment et accepte qu'il puisse transmettre ce que tu veux pour nous, pour notre bonheur. Telle est notre prière avec foi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Malgré le confinement que COVID-19 est en train de nous imposer, je voudrais vous rassurer que la parole de Dieu ne sera jamais confinée. Amen. Jésus-Christ ne sera jamais confiné. Notre Créateur ne sera jamais confiné. Celui qui nous a créés, il est au contrôle. Et nous devons garder espérance. Amen. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur un sujet que nous avons déjà analysé. Pourquoi je reviens sur ce sujet? C'est parce que le Seigneur m'a demandé d'y revenir. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me demande d'y revenir, mais je voudrais que ceux-là qui vont nous suivre, qu'ils puissent encore approfondir davantage, comprendre que Jésus-Christ est à la porte et que chacun d'entre nous doit se préparer. Parce que nous sommes en train déjà de voir des signes qui prouvent réellement qu'il ne tardera pas. Et notre sujet d'aujourd'hui est intitulé La veille du déluge. Yambo Yampela.
La veille du déluge. Mes frères et sœurs, lorsque le président de la République avait annoncé que le temps était très dur et que nous devrions prendre des dispositions pour ne pas se faire contaminer par cette maladie en mettant des barrières, j'avais vu que dans notre ville, il n'y avait pas de va-et-vient. Au point que même les embouteillages avaient disparu dans quelques artères de la capitale. Mais après un temps, j'ai vu quand même le gens revenir en masse dans les grandes rues de la capitale, excepté la commune de la Gombe. Mais je voudrais vous dire que nous sommes la veille du déluge. Comment nous devons nous comporter pendant que nous sommes la veille du déluge? Le temps actuel constitue un enjeu suprême pour toutes les âmes. Chacun d'entre nous, il voit devant lui un avenir incertain. Parce que tous nous sommes menacés par cette maladie. Mais nous oublions qu'il y a quelqu'un qui est au contrôle de tout, qui voit tout ce qui se passe sur la terre. Et nous voyons des dirigeants et des hommes d'État, des responsables qui occupent des positions de confiance et d'autorité, des passeurs, hommes et femmes de toutes classes, fixent leur attention sur les événements de notre époque. Et je voudrais vous dire que tout ce que nous voyons, ce sont des événements de temps de la fin. Et parce que ce sont des événements de temps de la fin, chacun d'entre nous, quiconque m'écoute, il doit quitter la distraction et comprendre que c'est le moment de se réveiller du sommeil pour que lorsque le Fils de l'homme va revenir, qu'il me trouve, qu'il te trouve prêt. Les calamités qui surviennent sur terre comme en mer, l'instabilité sociale, vous avez vu que partout il y a des tensions, il y a des grèves, des fois la famine, les gens qui réclament l'augmentation des salaires, d'autres qui ne, les uns qui ne sont pas payés et ceux qui sont payés qui continuent à réclamer. Mes frères et sœurs, c'est l'instabilité sociale. Et en dehors de l'instabilité sociale, nous avons les menaces de guerre. Ces menaces de guerre sont des mauvais signes. Des signes qui augurent qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Les forces du mal se conjuguent et se consolident. Il ne se passe pas un seul jour sans que l'on puisse dire qu'il y a eu des bandits qui ont tué déjà, sans qu'il y ait des menaces de mort quelque part. Vous constatez qu'il y a des menaces partout. Il y a des guerres partout. Où est-ce que nous allons? Mes frères et sœurs, nous n'avons pas une minute à perdre. Le monde est agité par un esprit belliqueux, un esprit de dispute, un esprit conflictuel, un esprit qui provoque la guerre. Pourquoi? Parce que pour certains, la guerre, les conflits leur procurent des grands bénéfices. Parce que nous constatons que beaucoup de gens
s'intéresse plus à l'argent que de s'intéresser à Dieu qui est source d'argent. Et c'est là où il y a la grande difficulté aujourd'hui. L'idolâtrie, mes frères et sœurs, remplace maintenant l'adoration du vrai Dieu. Même dans les églises, vous croyez des églises chrétiennes, l'idolâtrie a remplacé l'adoration du vrai Dieu. La terre se dirige à la fin des temps. Tout a vieilli, mes frères et sœurs. Tout a vieilli. Et cela doit nous préoccuper. Ça doit nous interpeller. La veille du déluge. Genèse. Chapitre 7. Chapitre Nangwa Sambo. Le verset premier. Verset Nangwa Liboso. La Bible dit. Bible est à Koloba. L'Éternel dit à Noé. Kolo alobina Noé. Entre dans l'arche. Kota na kati na mongombo. Toi et toute ta maison. Et longo nanda kuna mbo biba. Car je t'ai vu juste devant moi Kwe parmi cette génération. Sembo Liboso nanga na kati na génération mbo biba. Mes frères et sœurs. Balinga basse mibal. Noé. Lorsque on lui dit dans lorsque Dieu lui dit d'entrer dans l'arche, la recommandation qu'il reçoit est d'entrer dans l'arche avec sa famille, sa femme, ses enfants et le mari de ses filles. Mes frères et sœurs, plutôt les femmes de ses fils. Mes frères et sœurs, nous devrions tirer très attention. Aujourd'hui, alors que nous attendons le retour de Jésus-Christ, comment nous avons préparé nos foyers? Le premier centre d'influence pour faire connaître Jésus-Christ, pour montrer que Jésus-Christ est à la porte, notre premier centre d'évangélisation doit être la famille, doit être notre foyer. Regarde dans ta famille, regarde dans ton foyer, quel est ce membre de la famille qui n'a pas encore reçu l'évangile? Pendant ce moment de confinement, c'est le temps d'aller vers lui et de lui dire: nous sommes la veille du déluge. Nous tous, nous devrions nous préparer pour attendre le Fils de l'homme. Parce que nous, avec nos familles, nous devrions entrer dans la terre promise. Les royaumes de Dieu. Mes frères et sœurs, la famille pose problème. Et aujourd'hui, nous ne devons pas passer outre les responsabilités que nous avons. En tant que membre et responsable des familles, nous allons parler. Mais vous allez voir que lorsque Noé reçoit cette recommandation d'entrer dans l'arche, les gens se moquaient de lui. Parce que quand vous lisez au verset 10 de Genèse chapitre 10, la Bible dit 7 jours après. C'est-à-dire, Noé entre dans l'arche. Et lorsqu'il entre dans l'arche, la pluie n'a pas commencé immédiatement après son entrée. Non, le déluge n'a pas commencé immédiatement. Il y a eu une transition de 7 jours. Et les gens ont eu le temps de se moquer de Noé. Ils ont eu le temps de se moquer du Créateur. Il passait être plus intelligent que Dieu. Et 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre.
L'arche était complètement terminée. Et je voudrais vous dire qu'il y a des amis, il y a des proches, et je vous ai dit la fois dernière, qui sont venus aider Noé. Mais mes frères et sœurs, chaque marteau que Noé utilisait pour construire l'arche était une adoration et un avertissement. L'arche était complètement terminée. Alors le serviteur de Dieu, adressant à ses contemporains un dernier et suprême appel avec une ferveur inexprimable, il les parla avec insistance. Les priait de profiter du refuge qui leur était offert, parce que tous étaient appelés d'entrer dans l'arche, parce que les délices devaient bientôt commencer. La veille du déluge, la veille Yambo du déluge. Yampela. Mes frères et sœurs, vous allez voir que ces paroles avaient soulevé des moqueries, des ricanements. Les gens voyaient comme si Noé était détraqué mental. Et vu son âge, on a dit non. L'âge qu'il a, il est troublé. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Mon frère, ma soeur, lorsque vous avez cette grâce de causer avec ton créateur, sûrement qu'il y aura des gens qui se moqueront de vous. Mais ne cède pas aux moqueries des gens. Lorsque tu sais que tu es en contact permanent avec ton créateur et que les gens sont en train de se moquer de toi, ça ce n'est pas ton problème. Vous savez, lorsque nous étions jeunes et que on ne voulait pas entrer dans l'impudicité, les gens nous traitaient de yuma, excusez-moi le terme, mes frères et sœurs. Même si les gens pensent que tu es vaut rien parce que tu ne fais pas ce que les autres font, si tu sais que c'est sur recommandation de l'Éternel que tu t'abstiens de faire des choses, tu t'abstiens de faire les péchés que les gens ont l'habitude de commettre, parce qu'aujourd'hui péché n'est plus péché. Reste sur la bonne voie. Continue à causer avec ton Dieu. Reste en communion avec ton Créateur, parce que le salut est individuel. Mais hélas, on voit s'avancer paisiblement vers l'arche une troupe d'animaux composée de bêtes sauvages et domestiques, des oiseaux innombrables venant de toutes les directions, se dirigea vers l'arche. J'étais en train d'imaginer qu'il y a certaines places qui étaient dans l'arche, qui étaient préparées pour que les personnes créées à l'image de Dieu puissent s'y soir. Mais malheureusement, ces personnes-là, lorsque Noé les a invités d'entrer, ils ont refusé. Et les chaises que les hommes devaient occuper, les chaises que les femmes devaient occuper, ce sont les animaux qui viendront les occuper. Les animaux avaient pris conscience à la place des hommes. C'est la même chose aujourd'hui, mes frères et sœurs. Regardez comment les hommes
pensent, soi-disant que les hommes peuvent se marier entre eux et les femmes de même. N'est-ce pas que les animaux sont plus intelligents que nous? Parce que lorsqu'il faut s'accoupler, l'animal il devient plus intelligent que nous. Mais nous, les hommes, créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Déjà avec l'acte de l'homosexualité, vous allez vous rendre compte que les animaux deviennent plus intelligents que les hommes. Parce qu'ils savent que eux, dans leur état qu'ils sont, l'homosexualité n'est pas autorisée dans le monde animal. Mais les hommes le font. Et je me suis dit, si l'animal pouvait parler, il allait dire à Dieu, regarde, les hommes que tu as créés à ton image, la rébellion qu'ils ont créée. Regarde maintenant, ils ne veulent pas te suivre. Mais nous, qui n'avons pas été créés à ton image, nous refusons d'être rebelles contre toi. Les hommes sont devenus rebelles. Mais les animaux continue à glorifier Dieu. C'est comme ça que vous voyez même les oiseaux du ciel. Chaque matin, chaque soir, ils sont en train de chanter pour glorifier le Créateur. Ce que l'homme n'est pas en train de faire. Si les avertissements du patriarche n'avaient pas produit l'effet sur le monde, ils allaient convaincre. Ils avaient convaincu sa famille. Parce que il avait commencé par prêcher sa famille. Fallait convaincre la famille. Est-ce que tu as convaincu ta famille? Est-ce que ta famille a reçu l'évangile? Alors que nous sommes la veille du déluge. Qu'est-ce que tu attends? Les avertissements de Noé avaient convaincu sa famille. C'est qui était une bonne chose. Et nous aussi, nous devrions avertir nos familles à travers la parole de Dieu. Et c'est une grande tristesse, mes frères et sœurs, lorsque nous voyons naître dans les maisons des serviteurs de Dieu des rébellions, des incompréhensions, la division. C'est-à-dire la famille est devenue le cible du diable. Nous devrions fournir plus d'efforts pour l'unité de nos familles. Un jour, j'étais à côté de mon bureau. À l'extérieur, Libanda, sur l'avenue, na balabala. Et pendant que j'ai causé avec elle, un enfant vient me saluer. Bonjour papa, j'ai dit bonjour. Il me dit, on vient de me chasser de l'école parce que je n'ai pas les bics. J'ai regardé la femme. J'ai vu qu'effectivement il avait l'uniforme. Et je lui ai donné l'argent. J'avais une grosse coupure. Et je lui ai dit, va dans la boutique à côté. Kende na boutique kuna pembeni. Achète le bic. Somba ekomeli. Et remets la différence. Parce que c'était un grand billet. Za ki billet monene. Et pendant que je causais avec wana mon ami, ki koswana moninga na il s'est passé un temps. Ele ki mwanta. Et lorsqu'on se sépare avec tango mon ami, toka bwana moninga na ngai. Je me rappelle que Dena j'ai donné l'argent à un enfant pour acheter le bic et me remettre la différence. Je regarde gauche-droite. Je ne vois pas la femme. Je me dirige dans la boutique. Na keina boutique. La femme n'est pas là. Moi, n'azate.
Je regarde partout. Natali bisika binso. La femme avait disparu. Moi n'allais moi qui. Un enfant. Moi n'a moqué. De l'école primaire. Moi n'a pensé été le assez. Mes frères et sœurs. Balenga basse mbal. Déjà un enfant à l'école primaire. Déjà na ibandeli moi na se bongo. Spécialiste à vol pour dribbler une personne comme moi. Akoli si moyibi alekela na mokolo lokola ngai boy mayele. Il y a des efforts que nous devons fournir pour évangéliser nos familles, pour évangéliser nos foyers, pour évangéliser les enfants à la veille du déluge. Parce que c'est ce que Noé avait fait. Et s'il n'avait fait pas cela, s'il n'avait pas fait cela, il n'allait pas entrer avec sa famille. Sept jours, Mikolo Sambo, s'écoulèrent, sa pluie. Pendant que Noé était déjà dans l'arche. Mais qu'est-ce qui doit se passer? Même Noé, s'il n'avait pas la foi, il pouvait dire, mais tu m'as dit d'entrer dans l'arche. Mais je ne vois rien. Mais mes frères et sœurs, lorsque nous nous engageons pour le travail du Seigneur, nous devons aussi avoir la foi. Noé n'était pas troublé. Sa famille non plus n'était pas troublée. Les animaux n'étaient pas troublés. Les oiseaux n'étaient pas troublés. Tout le monde observait et attendait la parole de Dieu s'accomplir. Mes frères et sœurs, un jour viendra où la parole de Dieu va s'accomplir. Où le Sauveur va revenir pour nous prendre, pour que nous puissions habiter éternellement avec lui. Gardons la foi, mes frères et sœurs, parce que nous sommes la veille du déluge. Gardons la foi, parce que le Sauveur est à la porte. Gardons la foi et ne nous faites pas intimider par les comportements de ce monde. Les gens disaient que le déluge était mythe. Mais ils ont oublié de se rappeler des mouvements des animaux, des oiseaux qui se dirigeaient à cortège vers l'arche. Mais aussi, ils ont oublié que la porte de l'arche s'était fermée mystérieusement sans l'intervention de la main d'un individu. Au huitième jour, de sombres nuages va obscurcir le ciel et les éclairs vous sillonnez l'esprit, maman. Et les grosses gouttes de pluie vont commencer à tomber. Oh, mes frères, mes soeurs. L'avertissement était déjà donné. L'interpellation était déjà là. Noé avait parlé jusqu'à s'infatiguer. L'humanité s'est moquée de cet évangéliste qui est en train d'annoncer la fin des temps. Combien de temps les gens se moquent de toi lorsque tu annonces que Jésus-Christ est à la porte? Pendant que nous prêchons la bonne nouvelle, pendant que nous disons aux gens de se repentir, de se préparer à la rencontre de Jésus-Christ, les gens nous pointent du doigt. Ils disent, ils n'ont rien à faire. Ils cherchent l'argent. Mes frères et sœurs, réveillons-nous. Nous sommes la veille du déluge. La foule frappée de froid se demandait secrètement, serait-il vrai que Noé ait raison? Là, c'est lorsque déjà la pluie a commencé.
Oh, peut-être il avait les raisons. Et il commença à se dire que peut-être que l'humanité sera détruite. Mais même si vous vous posez des questions, la porte de l'arche était déjà fermée. Par Dieu et Dieu seul. N'attendez pas que la porte soit fermée pour regretter, pour dire ce que l'évangéliste Katembo disait est une vérité. Ça sera déjà trop tard, mon frère. Parce que la porte ne sera pas, n'est pas fermée par la main d'un homme. La porte est fermée par Dieu et Dieu seul. Certains hommes blasphémaient Dieu. Et nous les voyons aussi aujourd'hui. Parce que les gens sont indifférents maintenant de la parole de Dieu. D'autres sont perdus de terreur. Tendaient leurs mains vers l'arche. En implorant Noé de les recevoir. Même si Noé avait la volonté de les recevoir. Mais la clé de la porte était entre la main de Dieu. La clé de la porte de l'arche n'était pas entre la main d'un individu. C'était Dieu et Dieu seul qui tenait la clé. Parce que celui qui avait fermé la porte, leur conscience, tardivement réveillée, leur disait qu'il y a un Dieu qui gouverne l'univers. Mais c'était trop tard. Même si vous donnez des éloges à Dieu, pendant que le temps de grâce est déjà terminé, c'est fini. Qu'est-ce que tu attends? Nous sommes la veille de Dieu. Mes frères et sœurs, nous devrions abandonner les péchés. Il y a des péchés que nous commettons en cachette. C'est le moment de les abandonner. Parce que ça ne nous rapporte rien. Les mobiles de la confession de ceux-là qui frappaient à la porte étaient poussés par la crainte du châtiment et non pas un véritable repentir, même pas une vraie horreur du mal. Non, fuyons le mal, mes frères et sœurs. À la veille du déluge, fuyons le mal. Nous sommes la veille du déluge, fuyons le mal. Si la punition était arrêtée, ce que ces gens-là qui venaient supplier Noé, ils auraient recommencé à insulter. S'ils sont venus, c'est parce qu'ils ont vu les risques. Mais ce n'est pas parce que ils voulaient abandonner les péchés. Et rappelez-vous, hein, vous avez déjà fait un vol par avion. Et pendant le vol, vous rencontrez des mauvais temps. Et vous voyez tout le monde concentré en train de prier. Priez chacun d'un salam. Mais lorsque vous atterrissez, les quelques minutes qui suivent, les gens redeviennent pêcheurs comme de l'habitude. Et c'est ça le défaut. Des affaires. Lorsque je vis COVID-19 avec des annonces de morts par-ci par-là, les gens ont pris quelques jours, quelques heures de réflexion. Mais aujourd'hui, les gens sont redevenus ce qu'ils étaient. Matthieu chapitre 24. Le verset 37. Verset 37. Jusqu'au verset 38.
Kino verset 38. La Bible dit. Bibeza koloba. Ce qui arriva du cas de Noé. Oye ya ki na tango na Noé. Mon frère, ma soeur. Suivez-moi bien. La nanga malam. Ce qui arriva du cas de Noé. Oye ya ki na tango na Noé. Arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme. Eko ya pe lokola na boye ya mwana na moto. Car. Prête. Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Les hommes se mariaient et mariaient leurs affaires. Jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Le verset 39 nous dit. Et il se doutèrent de Bango, batia ki tembea tane lo kote. Jusqu'à ce que le déluge kinompela vint et les emporta tous. Pemaki bango nyonso. Il en sera de même. Et kozala lolenge moko à l'avènement na boyei du fils de l'homme. Ya mwana na moto. Mon frère, ma soeur. De konao mwasi mobali. C'est le moment de te réveiller du sommeil. Tango yongola mukana pungi. C'est le moment d'arranger ta vie. Tango yango bongisa bomona yo. Parce que le lendemain, pwete lobby, ce n'est pas pour toi. Ezaya yote. Ce n'est pas toi qui contrôle le lendemain. Yote ndo zali ko kunza lobby na yo. Le lendemain est contrôlé par Dieu et par Dieu seul. Kunza yango yemei. Et Luc chapitre 17. Sembukana Luca chapitre 17. Du verset 29 à 30 continue à dire. Verset 29. À partir du verset 28. Kobana na verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot. Oye ya ki na tango ya Lot. Arrivera. Pareillement, les hommes mangeaient et buvaient, les hommes achetaient et vendaient, ils plantaient et bâtissaient. Et le verset 29 nous dit, mais les jours où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel. Les filles tous périssent. Et le verset 30 dit. Verset 30 lobby. Il sera des le jour où les fils de l'homme paraîtra. Il n'y aura plus de pardon. Il n'y aura plus de grâce. Ce qui doit être détruit sera détruit. Et ce qui doit être sauvé sera sauvé. Mais je pense que nous devons tirer un exemple de cinq vierges sages par rapport aux cinq vierges folles. Toutes vierges, mais parmi les dix, cinq étaient sages et cinq étaient folles. Et Matthieu chapitre 25, verset 1 nous dit, alors, le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. Mon frère, ma soeur, il ne suffit pas d'avoir la lampe. Non, même si tous nous avons des lampes, mais nous devons vérifier si nos lampes sont du pétrole. Et ça n'a pétrole na kati. S'il n'y a pas du pétrole, il y a problème. Tout le monde, ils se disent, nous connaissons Jésus-Christ, nous attendons le tour de Jésus-Christ. Tout le monde, sur les réseaux sociaux, ils sont en train de dire que Covid-19, c'est un signe. Les gens disent que c'est la marque de la bête. Oh, c'est 666. Bref, tout le monde sait que Jésus revient bientôt. Mais il ne suffit pas de dire que Jésus revient bientôt. Mais ce qui est plus important, prépare-toi. Parce que le Fils de l'homme revient. Prépare-toi. Comment tu te prépares pour rencontrer Jésus-Christ? Comment tu te prépares pendant ce temps de la fête? Comment tu te prépares pendant que nous sommes la veille du déluge? Ne soyons pas comme les cinq vierges folles qui attendaient aussi l'époux.
Mais non préparé. Mais soyez comme les cinq vierges sages. Qui? Oyo. Elles se sont préparées. Bango ba bonga maki. La préparation était sérieuse. Kobonga mezala ki penza. Dans leur préparation. D'attendre l'époux. Na kozela mobali. Il n'y avait pas de distraction. Ezala ki na ki diba te kati. Non. Te. Il n'y avait pas de l'hypocrisie. Ezala ki na bilongi mibale te. Il n'y avait pas question. Ezala ki te na kati. De manger l'huile. Ya kozanga mafuta. Non. Te. Mon frère et ma soeur, comment tu te prépares? Comment tu te situes? Pendant que tu sais toi-même que Jésus-Christ est à la porte, il ne suffit pas de dire que Jésus-Christ est à la porte. Non. Tous, nous devons nous préparer pour les rencontrer. Et pour que cela soit possible pour chacun d'entre nous, fuyons le mal, fuyons le péché. Si nous voulons rencontrer Jésus-Christ, vous savez qu'aujourd'hui, l'idolâtrie bat les pleins. Les gens ont vendu leur vie contre l'argent. Aujourd'hui, le monde ne prête aucune attention aux avertissements divins. Et se précipite vers la ruine éternelle. Mais je voudrais vous dire une chose. En Apocalypse. Apocalypse chapitre 14. Le verset 12. La Bible dit. C'est ici. La persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, soyons debout. Marchons dans la crainte de l'Éternel. Ayons la foi que Jésus-Christ est notre sauveur. Ne nous décourageons pas. Quels que soient les troubles que nous voyons sur la terre, regardons à Jésus-Christ. Et pour être à mesure de regarder à Jésus-Christ, abandonnons les péchés. Abandonnons les mal. Ces péchés que tu as chéri, que tu caches dans ta maison, c'est le moment de l'abandonner et de dire: je voudrais être un enfant de Dieu. Gardons notre foi éveillée si nous voulons nous préparer pendant la veille du déluge. Si nous ne voulons pas être surpris par le déluge, préparons-nous. Soyons connectés au ciel. Et vous allez voir que tous ces événements qui se trouvent devant nous ne vont pas nous intimider. Parce que nous croyons à un Dieu créateur. Et nous croyons à un sauveur Jésus-Christ qui nous a promis que je pars vous préparer une place pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous voulons être à côté du maître. Préparons-nous. Fuyons les péchés. Gardons notre foi éveillée. Et Dieu sera avec nous. Et Christ, lorsqu'il va revenir sur les nuées, il va nous prendre pour nous dire: entrez dans votre royaume. Vous qui avez accepté de marcher avec moi au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions. Père tout-puissant, éternel et Dieu, alors que nous sommes la veille du déluge, nous te prions, Père, de nous préparer pour abandonner les péchés. Au nom de Jésus, amen.